C'est l'un après l'autre que les différents présidents de parti se succèdent à la table pour la signature du communiqué final. Un geste qui confirme leur adhésion à l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, la plateforme des partis de l'opposition. Elle a pour mission de conduire des réflexions et de mener des actions en vue de promouvoir la paix et la stabilité politique du pays. Les participants ont convenu que l'Alliance instruira les dossiers sur le dialogue politique avec le gouvernement, avec pour finalité d'assainir les relations entre le pouvoir et l'opposition, dénouer les situations conflictuelles et contentieuses qui les opposent, décrisper et apaiser l'environnement sociopolitique. Et le succès de cette mission requiert le concours de chaque parti membre de l'Alliance, selon Affin Guessant, le président de la toute nouvelle plateforme. L'alliance que nous créons aujourd'hui est une nouvelle expérience démocratique qui prend une résonance particulière. Les défis sont importants, mais ils ne sont pas insurmontables. Pour les relever, l'alliance doit d'abord pouvoir tirer profit de l'expérience de chaque parti membre. Notre force viendra de la force de chacun de nous. L'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire est donc née ce mercredi 26 mars avec 11 partis politiques membres. Elle a une durée indéterminée.